Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikoolo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale parce que j'ai découvert un vrai distributeur de V-Bucks les potos. Et c'est pas des couilles les mecs. Donc si tu kiffes la vidéo, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si c'est pas déjà fait. Et moi je vous souhaite un bon visionnage. Alors j'avoue que le distributeur de V-Bucks c'est un petit peu exagéré parce que ce n'est pas un distributeur de V-Bucks, c'est un distributeur de fric les mecs, c'est encore mieux. Je peux pas vous indiquer combien j'ai gagné en une semaine parce que c'est confidentiel et je risque de perdre mes avantages. Mais je peux vous assurer que on n'est pas loin des 50 balles gagnées en une semaine avec plus ou moins 150 affiliés. Il faut savoir que je galère à gagner ma vie sur YouTube or que j'ai 50 000 abonnés. Donc ça veut dire que j'ai presque 500 fois plus d'abonnés que d'affiliés et ça ne me rapporte même pas 500 balles. Donc vous imaginez bien que cette source de revenus est vraiment incroyable. Certains d'entre vous l'auront sûrement deviné, je parle du code créateur que Epic Games a mis en place. Cette société de concept de jeux vidéo est vraiment au-dessus de toutes les autres licences. Elle est vraiment incroyable dans l'innovation de tout ce qu'elle entreprend. Alors il faut savoir que ces temps-ci, bien sûr, on gagne 4 fois plus qu'avant, donc on gagne 20%. Parce qu'on est dans l'événement Saint-Valentin, mais ça c'est juste une bête excuse, parce qu'en réalité, Epic Games, je pense, a peur de Apex, parce que Apex a tellement fait de bruit, que Epic Games s'est dit, vous savez quoi les mecs, sur Fortnite, vous allez gagner 4 fois plus en tant que créateur, et la communauté des joueurs vont gagner le pass de combat de la saison 8 gratuitement s'ils font 13 défis sur Fortnite. Donc ça veut dire que les défis vont sortir tous les 3 jours, comme vous le savez, les défis de l'ultime effort sortent tous les 3 jours. Donc ça veut dire que vous devez vous connecter plus ou moins tous les 3 jours sur Epic Games et les créateurs doivent faire des vidéos sur Fortnite pour gagner encore plus d'argent. Donc vous l'aurez compris, tout le monde est bénef. Stratégiquement, pour le commercial de Epic Games, c'est vraiment incroyable. Ils sont vraiment au-dessus de tout. Imaginez qu'Epic Games joue à un jeu d'échecs, et ben je vous assure qu'ils ont au moins un, voire même deux coups d'avance sur les adversaires. Tout simplement, je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Parce que déjà sur Call of Duty, ils ont gagné des milliards et des milliards de dollars en quelques années, et ils ont carrément licencié 8% de leurs employés. Epic Games, qu'est-ce qu'ils font? Ils redistribuent carrément l'argent qu'ils gagnent en trop à leur communauté. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Call of Duty, en 5 ans que je suis sur YouTube, ne m'a jamais contacté, n'a jamais rien offert à la communauté, n'a jamais rien offert aux créateurs ou alors uniquement aux plus gros créateurs. Et franchement, ça parle même pas d'une centaine de personnes. Comparé à tous les créateurs qui ont la possibilité d'avoir un code créateur sur Fortnite Epic Games. Donc pour ceux qui ne le savent pas, si vous avez une communauté de 1000 personnes, sur les réseaux sociaux, vous pouvez demander un code créateur et demander à votre communauté qu'elle vous nomme dans la boutique de Fortnite. Vous gagnerez 20% jusqu'au 23 février, donc encore 3 jours. Et puis après, vous gagnerez 5% à la place de 20% parce que tout simplement, l'événement Saint-Valentin sera terminé. Et ne dites pas que 5% c'est rien du tout parce que sur Amazon, quand vous vendez un objet en tant que partenaire, vous ne gagnez que 3%. Et pour vendre un objet sur Amazon, il va en falloir de la pub. Parce que pour vendre un sèche-cheveux, ou un déodorant, ou un t-shirt, ou une planche à repasser, eh ben vas-y, hein, tout le monde, ils n'achètent pas ça tous les jours. Par contre, des skins, tous les jours, les gens, ils en achètent. Donc, t'imagines bien que vous gagnez plus de pourcentage que la meilleure entreprise au monde qui est Amazon. Vous gagnez 5% or que Amazon redistribue 3%. Et les skins Fortnite se vendent comme des petits pains. Donc, vous avez capté que Fortnite et même au-dessus de Amazon. C'est juste oufissime. Mais c'est pas tout. Parce que même ceux qui auront le pass de combat offert de la saison 8, donc toute la communauté qui aura le pass de combat de la saison 8 offert, qui vous auront mis en code créateur dans la boutique de Fortnite, donc tous ceux qui m'auront mis en code créateur, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait extrêmement plaisir, je vais quand même toucher 5% de votre pass de combat. Donc ça veut dire que Fortnite, pour la saison 8, il offre à sa communauté des millions de V-Bucks parce qu'il offre la saison 8 gratuitement. Et carrément, il offre le bénéf qu'ils n'ont même pas engendré à leurs créateurs en leur donnant 5% sur tous les passes qu'ils n'ont pas vendus de la saison 8. Est-ce que vous imaginez le délire là, tu vois? C'est incroyable, mec. Epic Games est une société qui sort de l'ordinaire, les mecs. Et ça, ça annonce une nouvelle ère pour le jeu vidéo. Parce que si les autres concurrents veulent rivaliser contre Epic Games, il va falloir qu'ils fassent du lourd pour que les créateurs promouvoient leur jeu.
donc tous les youtubeurs, y compris les grands youtubeurs, mais qu'ils offrent aussi du lourd pour leur communauté, comme Fortnite offre la saison 8 à leur communauté, comme Fortnite est totalement gratuit, comme Fortnite, Inch'Allah, un jour offrira le mode campagne de Fortnite. Ça fait tellement de temps qu'il a annoncé celui-là, qu'on n'y croit même plus de toute façon. Mais bon, un jour ou l'autre, ils vont nous le donner gratuitement pour justement faire un coup d'état au cas où il y aurait une autre société de jeux qui viendrait rivaliser contre Epic Games. Je pense qu'ils gardent leurs cartes dans leurs manches et au moment où il faut les sortir, ils les sortent. Ils ont un coup d'avance énorme sur l'échiquier contre toutes les autres licences. C'est incroyable. Et vous tracassez pas que les autres licences le savent très bien que Epic Games ont vraiment un coup d'avance. Tout simplement parce que en 5 ans que j'ai fait YouTube, je n'ai eu aucune offre, comme je vous l'ai dit, de Call of Duty. Pourtant, je ne faisais que des vidéos sur Call of Duty et quelques autres jeux, mais principalement sur la communauté de Call of Duty. Et je n'ai jamais eu une seule demande de partenariat ou je n'ai jamais vu une seule proposition de partenariat venant de Call of Duty. Et là, vous savez quoi ? Je me suis fait contacter jeudi passé par une société qui s'appelle Citizen Productions, qui m'a contacté parce que j'étais un créateur de Call of Duty et qui m'a proposé un partenariat. Alors là, vous imaginez que moi, j'étais tout oui, tu vois. Je me suis dit, non, c'est pas possible. En 5 ans, on me contacte enfin pour un partenariat Call of Duty. Et j'étais tout simplement aux anges. Alors, je réponds au mail et tout. Et puis après, on s'est contacté sur Skype. Et vous savez quoi? On m'a carrément donné un code. Le jeu Black Ops 4 plus le Season Pass d'une valeur de 100€ à vous offrir à vous, ma communauté. Alors là, moi, je me dis, mais quoi? Vous me donnez 100€, là? Et je dois faire quoi en échange? Qu'est-ce qui se passe? C'est la première fois et tout. Ouais, j'étais choqué, tu vois. Ils me font, bah, t'as rien à faire, gros. T'as juste à liver, à faire des petites vidéos sur Call of Duty et à faire gagner le jeu à la façon dont t'as envie de le faire gagner. Je fais, mais vous êtes sérieux? C'est vraiment incroyable, ça. Merci beaucoup. Je vous en remercie. Après, j'ai demandé si, bien sûr, ça allait continuer. Ils m'ont dit ça dépend de Activision. Si Activision contacte les sociétés comme moi, Citizen Production, enfin comme la société Citizen Production, eh ben oui, je pourrais toujours vous donner des contenus à faire gagner à votre communauté, etc., etc. Mais il faut qu'Activision nous le donne à nous. Si nous, Activision nous donne pas l'opportunité de le faire, nous on peut pas vous contacter et vous donner de notre propre sous pour faire de la pub Activision. Ça ne marchera pas comme ça. Donc c'est totalement logique. Et là je me suis dit, il y a peut-être une lueur d'espoir pour que Activision se bouge les doigts du cul, les mecs. Qu'ils bougent un peu, parce que là, franchement, ils sont en train de perdre leur communauté. Même si je vois qu'avec la dernière mise à jour, ils essayent quand même de remonter la pente. Et aussi qu'ils sortent pas tout en même temps, comme ils le font d'habitude. Donc genre, en zombie, multi, Black Ops, ils sortent tout en même temps d'habitude. Là, ils ont fait le zombie à part. Donc ça veut dire que là, on va profiter du multi, du blackout. Et puis dans un mois, on pourra profiter du zombie. Ça fait vivre le jeu sur le long terme et ça, c'est vraiment cool. Enfin bref, j'ai dit ce que j'avais à dire pour Call of Duty. Une petite dernière chose, c'est que attendez-vous à ce que je fasse gagner le jeu à 100€ de Black Ops 4 sur un de mes lives qui sortira en mars pour le nouveau DLC Zombie. Donc je le ferai gagner pendant ce temps-là. Alors revenons au sujet d'Epic Games. Je tiens à faire un gigantesque merci à toute la communauté, à toute ma communauté, à tous ceux qui ont partagé mon code créateur, car j'ai dépassé les 150 affiliés et c'est vraiment énorme. Merci à vous tous. Vous imaginez même pas à quel point ça me rend heureux et que ça me motive à faire plus de vidéos, à être plus motivé dans mes vidéos, parce que je vous assure que 5 ans sur Call of Duty et voir que je stagne et que je n'évolue pas, c'est pas très encourageant, mais je lâche rien. Je suis une personne qui persévère dans ce que je fais et je lâcherai jamais rien. Mais franchement, Fortnite, Epic Games est en train de rebooster ma confiance en moi, est en train de rebooster ma motivation, ma détermination à continuer YouTube et à défoncer encore plus tout sur YouTube. Tu vois ce que je veux dire? Je veux me faire un nom, ça fait 5 ans que je veux et là, Fortnite m'apporte plus en un an que même en 6 mois que ce que Call of Duty m'a apporté en 5 ans. Et ça, c'est juste incroyable. Donc, un énorme merci à Epic Games. Et j'espère que Call of Duty va enfin comprendre qu'il faut qu'ils bougent leur cul. MDR. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, nommez-moi en tant que code créateur dans votre boutique. Ça me ferait extrêmement plaisir et merci à tous ceux qui le feront.
Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sois Cool au Mike et ciao. Peace.